La convention et l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources suivant les termes de la convention de Ramsar préoccupent certaines ONG dans le monde. En 2012, l'UICN, une association néerlandaise, a annoncé vouloir créer avant 2025 une liste rouge des écosystèmes vulnérables, menacés ou en danger critique dans le monde. Chaque ONG a sa propre dynamique, je voulais dire. Nous sommes un partenaire qui, dans le cadre de l'Alliance, ont donné cet appui. On est en train de réfléchir à notre niveau aux Pays-Bas à monter un nouveau programme. Le Bénin sera dedans. L'orientation sera un peu différente, mais je suis sûr qu'on va à continuer. Et comme j'ai aussi dit dans la conférence ici, je pense qu'un de nouveaux objectifs est de mieux impliquer le secteur privé. La restauration de la mangrove, le reboisement, l'écosystème, mais surtout la protection du lamantin sont entre autres les actions initiées dans le cadre du programme néerlandais dénommé Écosystème Alliance. 17 pays dans le monde, dont 8 en Afrique, ont bénéficié de ce programme. Au Bénin, l'ONG Nature Tropicale a piloté le projet. Le lamantin d'Afrique, c'est un mammifère aquatique. Et dans les zones humides du Bénin, c'est l'espèce la plus grande qu'on peut trouver comme mammifère. C'est un animal qui peut atteindre jusqu'à 450 kg à l'âge adulte, mais malheureusement qui se retrouve dans nos cours d'eau. On le retrouve dans la vallée de l'Oumé, dans la vallée du Mono et aussi dans le Niger. Mais cet animal est particulièrement menacé parce que son habitat est surexploité et c'est un herbivore qui normalement par sa digestion, attire beaucoup plus de poissons. Mais malheureusement, c'est l'animal le plus grand que les gens trouvent à tuer parce qu'il n'y a plus de poissons. Face aux diverses menaces, la protection de la planète passe par les actions individuelles. Dans les pays en voie de développement, les organisations non gouvernementales participent à leur manière à cette œuvre. Elles souhaitent, en dehors des partenariats au niveau international, l'implication de la communauté à la base. Les ONG sont convaincus qu'il est possible de trouver les moyens. Nous voulons commencer d'abord à générer les ressources au niveau local et maintenant appeler d'autres partenaires à nous accompagner. Dans les milieux humides, l'eau est le facteur déterminant tant pour le fonctionnement de ces zones naturelles que pour la vie animale et végétale. Chacun a son rôle à jouer pour la gestion durable de ces espaces humides.